Ils l'ont espéré, ils l'ont désiré, ils l'ont souhaité, ils l'ont attendu, ils l'ont mérité. Et enfin, ils l'ont eu. Effectivement, le bout de bois, le bouclier de Brennus est bel et bien ici, à l'ASM Expérience, au sein même du stade Marcel Michelin, dans ce club emblématique, mythique et historique, ça fait beaucoup de hic, qu'est l'ASM Clermont-Auvergne. Nous sommes ici, les Oscars Midi Olympiques, pour honorer un club, mais également un joueur, Sébastien Vahamina, des mensurations fantastiques, athlétiques et mystiques, 2m03, 126 kilos. Je vous propose de le découvrir. Emblématique, historique, bucolique, phallique, trictique. Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex, them for no. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the base and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Courageux, grand, il aime bien blaguer, il est drôle, qui sait très bien garder son sérieux en déconnant, le silence, timide, il parle pas assez, parle pas, têtu, n'écoute jamais sa douleur, moi je l'appelle Sebi ou bah, c'est pas dinosaure, Dino. Dinosaure. Shérif. Cinq. Une. Moi j'avais fait quatre. Aucune encore. Deux. Pas mal. Huit je crois. Ah difficilement parce que j'ai pas joué et j'ai raté un petit moment donc difficile mais heureux pour les mecs. Très courte parce que je suis parti très vite en Géorgie et là-bas j'ai continué. Ouah, j'en ai bu pas mal. En buvant Je me souviens plus. Je l'ai fêté en allant l'espèce de rendez-vous incontournable de tous les rugbymen, c'est la rue de la Soif, un dimanche à 7h du matin, pour manger un petit bout, une nuit blanche, un retour en train magnifique, une levée du bouclier, place de Jaude qui est un moment mémorable pour tous. Et ensuite une bonne nuit qui a attaqué à 19h15 parce que j'en pouvais plus. Qui est Charles Brennus? Oh bah là, c'est pas bien ça. Absolument aucune idée. Je sais pas. J'en sais rien. Charles Brennus, de mémoire, Raphaël Chaume m'a dit que c'était un charpentier. Oh yes! Oh yes! Il est là. Ah, je l'ai vu ici ce matin, je sais pas, il est pas ici. Là, il était dans le vestiaire là. Bouclier, je crois que c'est Camille Lopez qui dort avec tous les soirs. Il est alors en face de Attila Septar, qui a 20 ans, qui est chez nous, et il se met le bouclier en face de lui. Il était dans ma voiture hier, on l'a amené à Cussac avec le président, et là il est au musée. Qui ne saute pas n'est pas clairement toi. Inch'Allah. Oh mon frère. ASM. ASM. Ici, c'est mon frère. Hein. Allez. Mon frère, allez. Trois. Cinq. Il y en a un, deux, trois.
3, 4. Il y en a quoi? 5. 6. 9. Bien sûr, mais avec l'autorisation. Non, mais j'aimerais bien parce que ça avait l'air sympa. Non, pas encore. Ah oui. J'ai déjà été. Ouais, mais j'avais pris le maillot. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu la chance de m'y baigner, tu vois. Ouais, de temps en temps, mais avec un maillot de bain. Va, Mina. C'est va. Je pense pas la même chose que toi, mais ouais, ouais, son beau tatouage. Ouais. C'est sur le bras de Seb. Oui, Seb va, dans ses moments de folie. L'étoile du shérif, c'est assez simple, c'est une histoire que va, je pense, vous racontera jamais. Mais c'est pour fêter une sélection en équipe de France jeune quand il était à Brive avec son meilleur pote de l'époque. Et ils ont évidemment, après une soirée plutôt alcoolisée pour fêter ça, ils ont eu une grande idée, c'était de prendre une étoile de shérif en métal, de la mettre sur une gazinière, de la faire chauffer à blanc et de se faire des tatouages eux-mêmes. Avec son pote qui est tombé dans les paumes de douleur évidemment, le grand solide lui est resté debout, mais depuis il a gardé une marque indélébile sur l'épaule. Ça colle bien avec le personnage, un bon policier, un mec qui reprend les gens à l'ordre en allant droit au but. Donc notre grand dinosaure, c'est le shérif.